aujourd'hui pour un nouveau vlog à Montréal. C'était pas du tout prévu que je filme de base, mais ce matin je me suis réveillée en me disant que j'avais envie de filmer cette journée. Donc vous allez m'accompagner aujourd'hui. Hier j'ai sorti mon premier vlog de Montréal, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de continuer en fait. Là on est le samedi 9 septembre, je vais aller dans un café pour changer. J'ai le vlog de mes vacances à monter, je suis partie au Mexique. Donc normalement quand vous verrez cette vidéo, le vlog du Mexique sera déjà sorti. J'ai grave la flemme, j'ai toujours du mal à me mettre dans un montage. Une fois que j'ai commencé le montage, que je commence à avoir une idée du rendu, de ce que ça va donner, ça va. Mais le moment où il faut se lancer, enfin ce moment-là, là, je déteste. Je me dis que je vais y aller étape par étape. Donc même si c'est une heure ou deux heures de montage, c'est déjà très bien. J'aurai enclenché le truc et après ça me donnera envie de monter la suite. On va aller dans un café dans lequel je vais souvent pour faire du montage ou pour travailler. Parce que je sais pas vous, mais moi il y a des cafés où j'aime bien aller juste pour boire un café. Des cafés où j'aime bien aller pour voir quelqu'un. Des cafés où je vais lire. Enfin voilà, ça dépend de mon mood en fait et de comment le café est agencé. Et là le café où on va, j'aime beaucoup comment il est agencé, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas. Donc voilà, assez parlé, c'est parti. Je sais pas si je dois prendre une veste ou pas sur le balcon. En vrai au soleil ça va, mais sans soleil il fait un peu frais quand même. Je prends une veste. Je viens de partir, j'ai bien avancé, j'ai dû faire 2-3 heures de montage. Là j'en suis au stade où je trie les rushs et comme c'est 2 semaines de rush, 2 semaines de vacances, j'ai plus de 500 vidéos à trier. C'est juste l'enfer quand c'est comme ça. La vidéo elle est pas encore habillée quoi, t'as vraiment l'état brut, sans musique, sans les transitions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de linéarité. C'est le moment où tu te dis à quoi va ressembler ma vidéo. Je me suis pris un petit croque-monsieur à emporter parce que j'ai pas mangé. J'ai une copine qui va aller à la librairie dans laquelle j'avais été dans le premier vlog à Montréal. Du coup je vais la rejoindre, c'est ma seule amie à Montréal. La seule personne que je connais de France, elle est arrivée un mois avant moi en juin. C'est ma petite Evan, je vais vous la présenter. Tu sais ce que tu vas apprendre déjà? Comme livre? Non, je suis pas du tout méchante. Je vous présente Evan. Salut. Regardez ce qu'Evan m'a offert, elle est trop mignonne. Elle m'a offert une carte avec tous les coffee shops de Montréal. Ma mission c'était de tester tous les coffee shops de Montréal, bah maintenant j'ai la carte. Je suis trop contente. Je sais pas s'il y en a que j'ai déjà fait là. Là il y a le café Or, tu m'as parlé tout à l'heure.
Je viens de rentrer, il est 21h30 et on a marché, laissez-moi vous dire combien de kilomètres on a marché, 15,5 km. Donc en vrai on a fait une bonne balade, je suis KO, je crois que je vais me faire des pâtes carbo, c'est un peu le plat réconfortant je trouve. Et ensuite j'hésite à faire du montage mais en vrai je crois que j'ai envie de chiller, donc je pense que ça va être une vidéo YouTube ou Netflix avant de dormir, ça me paraît être un bon programme. Je voulais vous parler du roman L'amour de nous-mêmes dont je vous avais parlé la dernière fois. Je l'ai fini quand on était au Mexique et franchement j'ai bien aimé. C'était un beau roman je trouve. Ça fait pas partie de mes coups de cœur de cette année mais j'ai bien aimé. En fait c'est un roman épistolaire, donc ça se présente sous la forme de 10 mails que Aloé envoie à une certaine Suja, je crois que ça se dit comme ça. Ce que j'ai bien aimé dans ces mails c'est que c'est une sorte de quête identitaire, de réflexion sur le genre, les dynamiques de classe. Il y a un chien qui arrête pas d'aboyer, j'espère qu'on va pas trop l'entendre. Et aussi d'amour, parce que du coup elle parle beaucoup de ses relations amoureuses, de certains choix qu'elle a pu faire, de certaines choses qu'elle a intériorisées. Elle parle des discriminations qu'elle subit, elle parle de plein de choses intimes et qui sont à la fois très politiques. Donc j'ai bien aimé le fait que ce soit un roman qui mêle intime et politique. Donc voilà, je vous encourage à le lire. Si c'est une question qui vous intéresse, l'amour de soi, les relations amoureuses et la dimension politique qu'il peut y avoir derrière tout ça. C'est la fin de ce vlog, c'est un mini vlog, j'espère que ça vous aura plu. Un mini vlog le retour à Montréal. Je vous dis à très vite et je vous embrasse fort.